les... Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Chers frères et sœurs, Marie Gras, ma très chère sœur, salut à toi depuis ta position. Mettez les cœurs. Voilà. Chers frères et sœurs, ouais, je voulais venir vous dire tout simplement quelque chose. Non. Le vieux, on n'a qu'à se dire la vérité, hein. Tu es un chef. Oui, Ado, c'est un chef. Vous savez, c'est pas quand les gens crient pour dire tu es un chef, tu es un chef. Surtout ceux qui se reconnaissent en toi, là. Quand ils disent que tu es un chef, ça peut déranger ceux qui ne l'aiment pas. Mais quand ceux-mêmes, là, qui ne t'aiment pas, reconnaissent, ah, vraiment, on n'a qu'à se dire la vérité. Le monsieur, là, on ne l'aime pas, mais c'est un chef. Oui. Las Vegas. Salam alaikum à toi, mon jeune frère. J'espère que tu vas bien. Ma Jomucho préférée, Waluru Sita Ouattara. Salut à toi depuis ta position. J'espère que tu vas bien. Voilà. Vous savez, quand la personne qui te croit te dit que tu es un chef, oui, tu es un chef. Quand les autres qui ne t'aiment pas, et puis ça dit qu'eux-mêmes, ils disent vraiment, le monsieur là, je l'aime pas. Le monsieur là, il ne me plaît pas. Mais en même temps, ils disent, ah, on n'a qu'à se dire la vérité, hein. Le monsieur là, on ne l'aime pas. On l'a jamais aimé. On ne va jamais l'aimer. Mais on n'a qu'à se dire la vérité, c'est un chef. Nabatrou, Samassi, salam alaikum à toi, ma soeur, depuis ta position. Là, on ne peut pas parler. Chers frères et sœurs, le président Ouattara, je le dis ici devant tout le monde. Parce que maintenant, on parle avec preuve. Mais je vais vous faire la démonstration pour vous dire pourquoi il est un chef. Parce qu'en réalité, là, que ce soit Gbagbo, commençons même par le président Félix Houphouët-Boigny. Chers frères et sœurs, faut pas, on va se mentir. Ce n'est pas un manque de respect envers le président Félix Houphouët-Boigny. Mais chers frères et sœurs, je vais vous dire, à commencer par le président Félix Houphouët-Boigny, jusqu'à arriver à Laurent Gbagbo, le président Houphouët-Boigny a sollicité son aide. Excusez-moi. Chers frères et sœurs, je vous dis et je vous répète, avec tout le respect qu'on peut avoir pour le président Félix Houphouët-Boigny,
Chers frères et sœurs, même les gens de l'opposition ne pourront pas venir nous dire le contraire. Si en 1990, le président actuel de la Côte d'Ivoire n'était pas venu au secours du PDCI, c'est moi qui vous dis, même le militant du PDCI ne peut pas venir me dire le contraire. Le PDCI ne serait plus au pouvoir depuis 1990. Si le président actuel de la Côte d'Ivoire n'était pas venu au secours du PDCI, le PDCI ne serait pas au pouvoir. Le président Fefelu Soufet Boigny allait être humilié avant sa mort. Et personne ne peut me dire le contraire. Oui. Florence Boudet, Boubacar Koné, Falikou Sanogo, salut à vous depuis vos positions. Et nul ne peut venir me dire le contraire. Nul ne peut venir me dire le contraire. Mais après celui du président Fefelu Soufet Boigny, les gens disent aujourd'hui, oui, les gens ne se rallient pas au RHDP parce qu'ils croient, mais ils se rallient parce qu'ils veulent aller manger. Ok, on a compris. Mes chers frères et sœurs, mais je vais vous dire, se rallier au président Ouattara, ça n'a pas commencé quand il est arrivé au pouvoir. Et je vais vous faire la démonstration. Je vais vous faire la démonstration par A plus B. Et vous allez vous rendre compte que ce que je dis là, c'est une réalité. Excusez-moi. Voilà. Chers frères et sœurs, je vous ai dit tout à l'heure, tous ceux qui ont détesté le président Ouattara, tous ceux qui ont tenté de l'humilier, tous ceux qui ont voulu l'humilier en Côte d'Ivoire, ont fini par se rallier. Et je peux vous dire une chose, mais je ne vais pas mais m'arrêter seulement à vous le dire, mais je vais vous démontrer. Danyogo, Florentine Ouattara, j'espère que tu vas bien. Voilà. Je ne vais pas m'arrêter à vous dire, non, ils se sont tous ralliés. Parce que vous allez sortir de ce direct, vous allez dire, mais Zoulou, vraiment on t'aime. Mais tu nous as dit quelque chose, mais tu ne nous as pas expliqué. Donc même si nous on doit l'expliquer aux autres, on va dire quoi? Effectivement, vous allez avoir raison. Donc si je vous dis quelque chose, je dois vous donner la preuve de ce que je suis en train de vous dire. Chers frères et sœurs, nous sommes en 1990. La Côte d'Ivoire est non loin d'une crise inimaginable. Le président Fefelu Soufet Boigny et un pas de l'humiliation. Nous sommes en 1990. Le président
Fais-le sous fête Boigny. Avec son parti, le PDCI, est au bord de l'humiliation. Les Ivoiriens accepteront-ils qu'un groupe de professeurs, en voulant manipuler les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens accepteront-ils cela? Non. C'est à cet instant précis que le président Ouattara, actuel président de la République de Côte d'Ivoire, va être appelé par le président Fefelu Soufet Boigny, le PDCI, et surtout le président Fefelu Soufet Boigny. Chers frères et sœurs, quand le président actuel de la Côte d'Ivoire, le président Fefelu, le président Alassane Ouattara arrive, la Côte d'Ivoire n'était même plus capable de payer ses fonctionnaires à temps. Le président Alassane Ouattara, comme un magicien, va remettre les choses en ordre. Va remettre les choses en ordre jusqu'à ce que le président Fefelu Soufet Boigny, en 1993, décède. Mes chers frères et sœurs, quand il est nommé comme premier ministre en Côte d'Ivoire, ceux-là même qui sortiront pour dire que c'est un étranger, l'un des premiers, c'est Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo va dire que le président Ouattara, c'est un étranger. Mais c'est lui qui, par la suite, après le décès du président Fefelu Soufet Boigny, va chercher une alliance avec le président Ouattara afin de créer le Front républicain. Le Front républicain en Côte d'Ivoire n'a pas été créé par le président Fefelu, par le président Ouattara. Le créateur, l'initiateur du Front républicain, qui était pratiquement l'association entre le FPI et le RDR d'alors, c'était bel et bien Laurent Gbagbo. Mais qui lui, auparavant, avait traité le président Ouattara d'étranger. Quand vous êtes dans la vérité, on ne peut pas vous combattre quand vous êtes dans la vérité. Soum Wallace, ouais, c'est un peu le réseau. Quand vous êtes dans la vérité, on ne peut pas vous combattre. Chers frères, quand vous êtes dans la vérité, on ne peut pas vous combattre. Laurent Gbagbo lui-même, après avoir traité le président Ouattara d'étranger, c'est le même qui va se rallier au président Ouattara. C'est le même qui ira chercher une alliance avec le président Ouattara. Mais dans quel monde nous sommes? Tu as traité quelqu'un d'étranger hier. Et aujourd'hui, c'est toi encore qui viens dire non, on doit se rallier à lui. Finis ça encore. Donc, le premier à se rallier au président Ouattara en Côte d'Ivoire, le premier qui a eu à parler mal et qui a été encore le premier à se rallier là, c'est Laurent Gbagbo. Il est facile aujourd'hui pour le militant du PPACI de venir dire les gens se rallient au RHDP, pas par amour, mais c'est parce qu'ils ont faim. Ah donc, quand Gbagbo s'est rallié hier, alors que le président Ouattara n'était pas au pouvoir, mais Laurent Gbagbo s'est rallié au président Ouattara quand il était encore à l'opposition. Oui, Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo s'est rallié au président Ouattara quand il était encore à l'opposition. On va quitter là. Guéï Robert. Quand Guéï Robert prend,
Quand Guy Robert prend le pouvoir et qu'il donne dos au PDCI, la première des choses, quand il prend le pouvoir, il fait croire aux Ivoiriens qu'il est venu organiser les élections et qu'il trouve injuste que le président Ouattara soit exclu des élections. Et qu'on n'est pas dans un débat de choses, et qu'on ne peut pas considérer quelqu'un qui a été premier ministre d'étranger. Mais après, une fois au pouvoir, une fois déposé son treillis militaire et se mettre dans sa veste de balayeur, va automatiquement donner dos au président Ouattara. Chers frères et sœurs, vous qui suivez aujourd'hui le président Ouattara, je vous dis, ne vous découragez pas, parce que vous êtes dans la vérité. En réalité, ceux qui suivent aujourd'hui le président Ouattara, c'est les vrais républicains. C'est ceux qui aiment vraiment la Côte d'Ivoire. Ceux qui suivent aujourd'hui le président Ouattara, c'est eux qui sont sur le chemin de la vérité. C'est eux qui sont sur le chemin du développement. C'est eux qui sont sur le vrai, sur le concret. C'est eux qui aiment leur pays. C'est eux qui aiment la cohésion. C'est eux qui aiment la paix. C'est eux qui sont épris de paix et de cohésion. Ceux qui suivent aujourd'hui le président Ouattara, c'est eux qui sont épris d'amour. Chers frères, aujourd'hui, ils peuvent nous traiter de tous les maux. Mais chers frères et sœurs, quand on leur envoie, quand on les ramène sur le chemin du développement, quand on les ramène sur le chemin du travail, des infrastructures, quand on les ramène sur le chemin du bonheur des Ivoiriens, chers frères et sœurs, c'est là qu'ils déposent leurs âmes de politiciens. Parce qu'en âme et conscience, ils le savent. Chers frères et sœurs, c'est des gens qui parleront devant nous en pleine journée, mais qui la nuit, quand ils se mettent devant leur miroir, ont honte de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent dans la journée. Parce qu'ils le savent. Koneza Souleymane, Cheikh Berthé, je vous le dis et je vous le répète, ils sont ceux-là qui tapent leur poitrine devant les gens en pleine journée. C'est ceux-là qui disent non, le pays va mal en pleine journée. Mais la nuit tombée devant leur miroir, ils se confessent. C'est ceux-là qui tapent leur poitrine dans la journée, qui traitent le président Ouattara de tous les noms. Mais quand ils rentrent chez eux à la maison, ils ont honte de leurs propres enfants. Parce que même leurs enfants savent que ce que le père ou bien la mère dit à la maison et ce qu'elle raconte, ou bien ce qu'ils racontent dans les rues à 14h, en pleine journée, au grain, est différent de ce qu'ils nous font croire à la maison. Oui. Ismaël Bansé. Ok, merci beaucoup. Bonne arrivée, mon frère. Nous prions tous pour que Dieu accorde la santé à la vieille. Sois rassuré. Tu as notre soutien. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, c'est des gens qui, la nuit, tapent leur poitrine. C'est des gens qui, la nuit, critiquent. Mais la nuit tombée, c'est des gens qui ont honte devant leurs propres enfants. Même au-delà des enfants, c'est des gens qui ne sont pas capables de se regarder eux-mêmes dans un miroir le soir. Je peux vous garantir cela. Parce que, chers frères et sœurs, la vérité est de notre côté. Le bonheur, il est de notre côté. La cohésion est de notre côté. Le meilleur travailleur, en tant que président, est de notre côté. Il n'y a pas de débat dedans. Tout ce qui peut venir après est faux aujourd'hui
était faux hier et sera faux demain. Je peux vous rassurer cela. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, et quand ils ont compris cela, quand ils ont compris cela, voilà pourquoi ils ne font que recours à la violence aujourd'hui. Aujourd'hui, leur seul recours, c'est la violence. Aujourd'hui, leur seul recours, mettons-nous ensemble pour le chasser du pouvoir. Les Ivoiriens n'ont pas besoin que vous vous mettiez ensemble pour le chasser. Mais les Ivoiriens ont besoin que vous leur expliquiez votre programme. Parce que c'est ça la vérité. Attendez. Que vous leur expliquez. Qu'est-ce que vous proposez? Il ne sert à rien de venir dire, c'est facile pour tout le monde de venir dire non. Je suis une alternative. Ouais, nous sommes une alternative. Non. Ce n'est pas seulement ça. Ce que les Ivoiriens veulent savoir, qu'est-ce que vous allez leur proposer? Qu'est-ce que vous allez faire de mieux que le président Ouattara n'a pas fait? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous n'êtes pas capable de venir dire ça devant les gens. Impossible pour vous. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, c'était votre frère le Zoulou de Bogota depuis sa position. Je vous remercie. Bonne journée à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. On se donne rendez-vous ce soir. Merci à vous.